Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de 28 minutes version estivale. L'actualité ne prend pas de vacances et nous non plus, nous voilà donc ensemble pour tout l'été. Pour commencer, nous recevons ce soir une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux, Linda Bortoletto, une aventurière qui a tout lâché, sa carrière dans l'armée, son confort et même son mari pour parcourir les régions les plus isolées et les plus inattendues de notre belle planète. Notre débat portera ensuite sur les tensions raciales aux États-Unis. Les bavures policières se sont multipliées ces dernières semaines, plusieurs noirs ont été tués par la police. En représailles, un ancien soldat a abattu 5 policiers blancs à Dallas, où Barack Obama se rendra demain. Jusqu'où l'Amérique peut-elle se déchirer? On en débattra. Et puis nous terminerons avec nos inséparables, nos deux nouveaux chroniqueurs. D'abord, Linda Lorrain, qui nous fera découvrir son héros du jour ce soir. Un photographe américain qui prend des clichés, comment dire, un peu spéciaux. Puis l'œil acéré de François Saltiel nous décryptera l'étonnante campagne de soutien d'un club de foot en faveur d'un millionnaire fraudeur et pas n'importe lequel. Bonsoir Olivia Gesbert. Bonsoir Renaud. Et à vos côtés Claude Askolovitch. À peine remis. Eh oui. C'était dur, hein. On ne courage, parle pas football courage, ce soir. On n'en parlera pas. Bonsoir Linda ça n'a pas Bortoletto. Existé. Juste un soir. Bienvenue, ravi de vous accueillir ce soir. Donc, comme je disais à l'instant, vous étiez gendarme, plus précisément, et puis vous avez totalement changé de vie. Vous êtes devenue aventurière, en quelque sorte. Vous parcourez le monde et les contrées les plus reculées et les plus sauvages, surtout. Et vous êtes l'auteur de ce livre que je présente, « Là où je continuerai d'être, l'appel des terres sauvages », paru aux éditions Le Passeur. Promis, on ne va pas parler longtemps de football, mais quand même, effectivement, comme vous le savez, Linda Bortoletto, hier soir, c'était la fameuse finale de l'Euro. Ouais. Le football, on dit parfois, certains disent parfois que c'est un langage universel, qu'on le parle un petit peu partout sur la planète. Est-ce qu'au gré de vos voyages au fin fond, par exemple, de la Sibérie, bah, effectivement, vous avez parfois entendu parler de Zidane ou d'autres? Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai constaté dans ces régions aussi isolées que le Kamchatka, l'extrême-orient de la Sibérie, au Kyrgyzstan ou au Népal, eh bien, le nom de Zidane revenait de façon unanime. Donc, nous avons des héros internationaux de par le football. Voilà, même un lendemain de défaite. Merci. Merci. On vous retrouve tout de suite, juste après l'empreinte digitale de Frédéric Tanvier. Tapant votre nom sur Internet, on atterrit sur votre propre site, un site où vous nous aidez notamment à réaliser nos rêves. Il y a 7 étapes. Rêver tout d'abord, puis ajuster le rêve, visualisez-le, parlez-en comme Martin Luther King. Ensuite, planifiez-le, travaillez. Enfin, prenez du plaisir, évidemment, sinon ça devient un cauchemar. Une méthode que vous avez appliquée à vous-même, nous sommes en 2009. À cette époque, j'avais tout. Une carrière prometteuse, un mari adorable, brun, musclé. Du jour au lendemain, ou presque, vous plaquez tout pour devenir exploratrice. Vous plaquez donc votre carrière, débutée en trombe, officier dans l'armée de l'air, puis à la gendarmerie, à la tête d'un escadron de 150 hommes. À seulement 27 ans, direction le ministère des Finances pour un poste de haut fonctionnaire. Un événement bouleverse alors votre vie, la mort de votre père. Et bien ce jour-là, je pris conscience d'une chose, la fragilité de la vie. Conséquence en 2011, première expédition de 4 mois de la Sibérie orientale à l'Alaska. C'est le Rhin. Expédition financée par une entreprise de serrurerie. Un serrurier qui vous ouvre les portes du monde, ça ne pouvait pas s'inventer. En 2013, vous passez 2 mois avec les nonnes bouddhistes, 200 km de marche dans l'Himalaya. En 2014, c'est vous qui êtes derrière la caméra face à ce troupeau de rennes lors d'un hiver passé au Kamchatka. Rencontre mémorable notamment avec un ours, rencontre surtout avec un peuple nomade dont vous partagez quelques photos sur votre Facebook. Enfin, il y a 2 mois, vous racontez toute votre histoire à travers un livre, un parcours initiatique fait de grands espaces. Du coup, on se demande si vous n'êtes pas trop à l'étroit sur notre plateau de télévision. On va pas vous maintenir en détention sur le plateau trop longtemps, rassurez-vous. Alors, comme Frédéric Tanvier le racontait à l'instant, donc vous êtes parti, vous avez changé de vie, vous avez tout plaqué. Il y a eu un déclic qui est donc ce deuil, la perte de votre père. Et c'est du jour au lendemain que vous avez décidé comme ça de totalement changer de vie, ou est-ce que ça a quand même été une maturation?
Non, alors effectivement, souvent j'en parle lors des missions, c'est très rapide, ou même dans le livre, ça fait l'objet de quelques pages, mais concrètement, c'est une longue introspection, c'est très tortueux, c'est beaucoup de souffrances auxquelles on doit faire face, qu'on doit accepter également. Et entre le moment où j'ai ouvert les yeux, donc qui correspond à la mort de mon père, où soudain j'ai ressenti cette envie irrépressible de liberté, et le moment où j'ai tout quitté, où j'ai divorcé, j'ai démissionné et j'ai monté ce projet un peu fou au Kamchatka et en Alaska, il s'est passé à peu près 2 ans et demi. Donc c'était votre premier voyage. Pourquoi le Kamchatka, l'Alaska? Pourquoi vous choisissez des contrées au nom aussi bizarre? C'est pour jouer au Scrabble? Non, alors on va dire qu'il y a une partie très rationnelle qui fait qu'à un moment donné, lorsque j'ai pris conscience que je n'étais pas là où je devais être et je m'étais complètement aliénée, j'étais devenue étrangère à moi-même, j'ai voulu partir loin, très loin, pour pulvériser tous mes repères et puis pour désapprendre tout ce qui faisait que je n'étais pas moi, tout simplement. Donc ce côté rationnel m'a poussée vers la Sibérie et je me suis mise face à une case. Et il y a eu une sorte de pulsion intérieure qui m'a appelée vers l'extrême-orient de la Sibérie, à l'opposé de notre planète, et qui est en fait le Kamchatka. Et ensuite, ce regard s'est ensuite porté sur l'Alaska et sur les îles qui se situent entre le Kamchatka et l'Alaska, qui sont les îles Aléoutiennes. En fait, à chaque fois, à l'est comme à l'ouest, vous avez cherché la destination la plus lointaine. C'est vrai. C'est intéressant parce qu'il y a un mot qui revient souvent dans votre bouche, c'est le mot route, faire fausse route, prendre la route. Vous êtes convaincu que la vie est faite de routes comme ça, de chemins qu'il faut suivre ou tracer soi-même. Elle vient de là, cette introspection? Oui, exactement. Je pense que... Alors, la route ou le chemin, c'est vrai que ça revient souvent dans ce que je dis ou dans ce que j'écris, n'existe pas en soi, c'est-à-dire qu'on doit la tracer. Et pour cela, on doit suivre ce que j'ai découvert au cours de mes voyages, cette voie intérieure qu'on appelle l'intuition. Mais elle n'existe pas au préalable. Après, il y a des voies, il y a des destinations, je pense, où on doit aller, qu'on doit rejoindre, qui nous permettent en fait de nous épanouir en tant que tel. Mais c'est à nous de tracer notre propre chemin et on est pleinement responsable dans cette mission. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a en même temps de la rationalité chez vous. Vous n'avez pas été formée en vain avant de devenir aventurière. Ce que vous faites avec nous, et on est content de vous avoir, ou les conférences que vous donnez, ça vous permet de financer votre vraie vie. Vous avez deux vies, une ici contrainte, pour attirer des sponsors déjà, et après, vivre vraiment, c'est ça l'idée. En fait, le tout, c'est trouver un équilibre. C'est-à-dire que souvent, quand les gens m'ont vu partir aussi loin, voyager, et me trouver en tant que telle, et atteindre une certaine sérénité, ce qui est inouï, aujourd'hui, ils m'ont demandé « Pourquoi tu reviens ?» Pourquoi, effectivement, pourquoi aujourd'hui je suis avec vous sur ce plateau ? Parce qu'il faut bien vivre et avoir de l'argent pour partir. Exactement, il faut vivre. Et en plus de ça, j'ai cette envie de transmettre qui est forte. Et c'est-à-dire que j'aurais pu voyager égoïstement, faire le tour du monde, continuer, bon, je veux dire, accumuler un petit peu d'argent, repartir, voyager. Mais c'était très égoïste de garder l'ensemble des enseignements que je retirais de cette expérience de changement de vie d'une part et de tout ce que je retire de ces voyages, ce qui est fabuleux, de ces cultures que je rencontre. Et cette envie de transmettre, en fait, c'est un acte de générosité, un acte d'altruisme que je porte en moi également. Alors, la Sibérie, le Kamchatka, on en parlait, l'Alaska, vous allez, vous, dans des régions reculées, lointaines, mais ce qui inquiète certains, Olivia, c'est ce que certains appellent la Disneylandisation du monde, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus beaucoup, ou plus du tout, presque, de vraies régions sauvages, de coins tranquilles, ou de ne pas tomber comme ça sur des êtres humains. Mais en fait, c'est un peu aussi un autre acte de générosité de la géographe Sylvie Brunel, qui est aussi l'ancienne directrice d'Action contre la faim, qui avait écrit ce livre qui s'appelle « La planète Disneylandisée ». Elle racontait un tour du monde en famille et en fait elle avait été marquée par la manière dont le tourisme avait complètement transformé la planète en un espèce de vaste parc d'attractions. Elle racontait comment en Nouvelle-Zélande on avait des geysers qui tout à coup jaillissaient à heure fixe, comment aussi au Costa Rica les jungles avaient été aménagées pour pouvoir sauter comme Tarzan, comment au Canada des réserves qu'on disait naturelles étaient finalement aménagées comme des grands zoos ouverts avec des animaux dits sauvages qui venaient en fait vous manger vraiment dans le creux de la main tellement ils étaient habitués à nos présences humaines. Mais on voit que pour le touriste, tout ça, l'important c'est que ça ait l'air authentique et que ça ait l'air ou que ce soit des paysans. Alors on peut se demander après cette lecture si le tourisme a vraiment complètement domestiqué le monde. Il faut aussi le rappeler, et c'est ce que fait Sylvie Brunel, qu'avec plus de 800 millions de touristes chaque année sur la Terre, cette manne financière que provoque le tourisme, elle permet aussi
de faire vivre des peuples, des cultures entières et d'aider certains paysages à ne pas disparaître. Alors je me demandais si vous, Linda Bortoleto, vous avez quand même réussi à croiser sur cette planète des lieux qui vous paraissaient encore véritablement authentiques. Parfaitement, et le Kamchatka en est un exemple. Alors, il faut admettre qu'il y a une zone du Kamchatka, parce qu'il y a énormément de volcans actifs au Kamchatka, où il existe un tourisme, des trekking notamment, et même en hiver, ce qu'ils appellent le héliski. Sauf que la région où je suis allée, qui est tout au nord du Kamchatka, il n'y a aucun touriste, pour la simple raison que pour y accéder, il faut déjà à peu près 2 ou 3 semaines. Donc clairement, ça élimine, on va dire, le touriste, qui, en gros, va avoir maximum 3 semaines l'été pour pouvoir voyager. Et à partir du moment où il y a des difficultés d'accès à une région, ça fait que les régions demeurent préservées de cette influence de tourisme de masse. Et alors, Linda Bortoleto, vous repartez bientôt, lundi prochain, et vous avez choisi le Tibet. C'est ça, pourquoi le Tibet ? Bien, comme pour le Kamchatka, c'est-à-dire que je réponds de nouveau à un appel intérieur où c'est très géographique. Je suis vraiment attirée par cette région parce que... C'est un choix qui est presque plus spirituel que géographique encore, c'est ça? Quand vous dites un appel intérieur, c'est qu'il y a une dimension spirituelle qui vous parle. Il y a une dimension qu'on n'explique pas. Alors, il y a toujours ce côté rationnel où je cherche des régions isolées, où les cultures, des traditions existent, subsistent. Mais ensuite, c'est vraiment un appel intérieur. Vous allez faire quoi au Tibet? Alors concrètement, je vais traverser le Tibet à vélo, donc du sud au nord, avec pour but de rencontrer les pèlerins bouddhistes qui marchent autour des montagnes sacrées pour leur rendre hommage. Et ce n'est pas du tout Shaolin Soccer que RT a diffusé d'ailleurs. Bah, bon courage, bonne route Linda Bortoleto. Merci beaucoup d'être passée nous voir ce soir. Et donc nous continuerons de vous lire là où je continuerai d'être et là où vous continuerez d'aller. Nous vous suivrons. Merci beaucoup.